Je dis à maintenant qu'elle a une autre vidéo qui va faire nous plaisir. Je parle pas de l'inspecteur de police qui était mort, à qui bandit était assassiné au Cap Haïtien. Et je parle avec nous de base 400 marozo qui est croisée par des agents de police bien équipés. Côté gain 15 arrestations, en plus d'âmes saisies. Et nous parlons des bilans de CPJ Bay. Sur là. Reconnecter avec nous sur notre côté un peu le bagage pour tout ce qu'on a dans la vidéo. Avec un inspecteur divisionnaire, Telfort Ferré, jeune garçon, 46 ans, qui était fait partie de la 7e promotion PNH, là, côté que il a perdu la ville au Cap Haïtien, nos localités qui est Petitance, Cafou, Lachaud. Inspecteur divisionnaire, ça a été affecté dans le commissariat au Cap. C'est le même tout qui était responsable BI, brigade d'intervention dans le commissariat. Inspecteur divisionnaire, on a été bandit, attaqué, plusieurs balles, côté que, après constat, juge 6 projectiles dans des côtés vitaux en col. Nous avons couru l'hôpital avec lui, mais malheureusement, arrivé à l'hôpital là, inspecteur divisionnaire Telfort Ferré perdu la ville. Pour le moment, il y a une enquête qui ouvre au niveau de SDPJ qui est dans le département nord. Il y a un service d'investigation commissariat au Caplan qui a mené premièrement l'enquête. Et DCPJ, touché par ça, et il y a une enquête qui ouvre au niveau de la DCPJ. Nous sommes déjà en marche, la machine est déjà en marche pour que nous soyons capables de prendre la première considération, à savoir tout ce qui vient de nous joindre. Et à travers le réseau, nous voyons que il y a une voix qui a circulé, qui a assemblé voix inspecteur. Côté que il n'y a pas analysé pour que nous soyons capables de servir avec lui et l'autre information qui vient de nous joindre pour que nous soyons capables de faire toute considération sérieux pour nous capables de conduire nous à la vraie vérité. C'est certain, dans le jour qui vient de nous, nous sommes au courant. Nous avons parlé de l'opération 400 Marozo. Nous avons rappelé depuis environ 2 ans. Groupe 400 Marozo, gon l'autre groupe tout qui basé nan rami, yon nan raquette, yon habitué descendre sous grand axe de quoi des bouquets à tuot, côté que yon font pile victime. N'a pas rappelé, le 10 janvier 2019, yon assassiné yon jeune fille qui est chez l'agent Claude. Le 27 mars 2017. Yo attaqué personnel ambassade Chili. Côté que, lors de l'attaque, ça a gagné un chauffeur ambassade là, ambassadeur qui était en balle, qui mourit. Le 22 octobre 2019, près de 15 bandits violés un personnage qui est probablement âgé de 70 à 80 ans. Dans la nuit du 9 mars au 10 mars 2020, yo assassiné 3 personnes. Dans l'île Lavoie 39. Le 3 août 2020, zone Marché Papay, Marché Papal, yo tiré sur un bus, côté que gagnent plusieurs moun qui blessés, dont yon petit bébé qui était tué par balle. Monsieur Sayo, yo spécialisé yo dans vol véhicule, contre-rançon, détournement de marchandises, enlèvement. Et objectif opération que la police menait hier très tôt dans la matinée, objectif là c'est pour te démanteler Gangza et procéder à l'arrestation bandits. Plusieurs unités, dont le commissariat de Croix des Bouquets, t'es mobilisé dans l'opération ça. Nous arrivés, entrés dans la base, monsieur. Et selon policiers qui étaient dans le théâtre opération,
yo wè an pil zosman nan sekèy nan yon sot de peristil. Genyen 15 arrestasyon ki fèt, ke nou konen deja. Pou le mouman, yap skrine yo. La polis judisyè ap kuisine yo. Pou ke nou konen degre d'implikasyon chak gren moun nan 15 moun sa yo ki interpele yo. 4 vehikul ke nou pale yo, se de vehikul ke yo devole, ke nou rekupere yo. Nabdi, la polis determine pou ke nou kapab fè fase. D'abord, responsabilité nous, à mission nous, qui c'est garantir le public et la sécurité publique, également pour que nous démantelions tout réseau gang qui, depuis des mois, des années, a bâillé problème et empêché population paisiblement vaquer librement d'activité. Et au commandement, le commandant-chef de la police nationale a félicité tout policier sérieux qui était en opération, hein, qui était déterminé, qui était courageux pour que il était capable de faire travail. Genyen nan rezo 400 marozwa. Ye 3 chef gang ki antan yo. Nou konen deja Lambo Sanjou. Non se Joseph Wilson. Genyen Ronald ansi konu et Azuken ansi konu. Na pataje avèk populasyon. Ankon yon fwa, foto et avi de recherche ke la direction centrale de la police judiciaire mettait pour que tout le monde goumen pour que chaque opération que nous menons, pour que nous capables pour que nous capables permettre que ces populations pour réussir parce que dès que population réussit société et nous même la police tout nous croyons tout que nous réussissons. C'est une très bonne question qui permet moi parce que me dit dans plusieurs radios. Effectivement, au niveau commissariat Pétionville, gagnent 3 plaques qui perdues. C'est 3 plaques de véhicules de police. Numéro plaque là, on a demandé tout le monde pour attention, population. 1-00-848, plaque police. Deuxième nom, c'est 1-00-921, plaque police. Et troisième nom, 1-01-038. Et nous battons ensemble. Et c'est une opération qui était en sorte de combat. Parce que tu as un échange de tirs entre forces de l'ordre et bandits. Et nous tous connaissons, et à travers le réseau, nous voyons et puissance de feu en termes de âmes. Et nous-mêmes, nous sommes pratiquement dans la vie nous, pour que nous sommes capables de permettre que la population soit libérée. De ensemble de gangs. À savoir d'autres matériels, mon courant, simplement, c'est 4 véhicules qui étaient volés, qui récupéraient. Bon procédure qui est tracée, les que vous faites saisie ou bien vous faites découverte de Zamio, et il y a toute une structure qui est passée pour arriver justement à enquête. On croit que nous parlons de ça dans la conférence, côté que y a des âmes qui nous joignent, et puis nous dit, et pour qui est-ce que c'est certain, dans la dernière découverte, et probablement n'a pas fait toute considération en termes d'enquête pour que nous soyons capables de dire au moins opportun, mais dans quel niveau que nous y sommes dans le dossier ça. À savoir, si nous saisissons les armes d'opération. Il y a des armes que nous avons saisies, parce que nous avons saisi les armes que la police a fait depuis un peu l'année. Nous n'avons pas même arrêté un monde pour le trafic d'armes dans le pays, alors que nous connaissons les armes qui n'ont pas faites dans le pays. Tout à fait, tout à fait. Et j'en nous dis, hein, et gen moun, nous ne pas trop longtemps, il y a une conférence qui était faite, côté que moun, nous te joignent que les amis pour eux, hein, et nous croyons tout ici à la DCPJ, et nous te présenté moun yo. Et j'en me dis là, et comme c'est plusieurs saisies qui fait, et bon procédure, et en toute transparence, pas gagné qui au niveau de la police, que nous pourrions cacher, ou bien ça, gagne telle attention, ça, un moment, pour qu'il fait là, la fait. Par mesure confirmer l'informel, moi-même, moi, tout au niveau vidéo, tout. Et moi, j'étais en contact avec les responsables, et au plus haut niveau. Je n'ai pas relaté ça. Mais par contre, je suis capable toujours de partager ça avec eux. Et si c'est à ça, en toute transparence, en toute vérité, je dis. Et à savoir, est-ce que nous finissons quasi bazar, est-ce que nous avons levé ou bien est-ce que nous avons prétendu? Les noms gardés géographiquement, Jean Bazaillé. Et c'est pratiquement, c'est non ragé. Et nous étant sous vraiment des centièmes, même des hectares de terre.
et la demande en logistique, la demande en commodité pour que la police t'arrête la donne. Mais par contre, nous gagnons juste sur eux. La police a une permission de garantir l'ordre public, la sécurité publique, et n'a fait pas rien.